Yo tout le monde, c'est THL, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu, c'est la facecam. Mais pas que, parce que j'ai reçu un petit colis et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que ça va vous régaler, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Le premier colis que j'ai envie de te montrer, frérot, c'est celui de la PS4. Comme tu le vois écrit sur Ronaldo, c'est FIFA 19, donc c'est en 2019 que j'ai acheté cette console. Et là, t'es en train de te demander, mais pourquoi, frérot, il me montre sa PS4? C'est tout simplement parce que c'est la première console que j'ai eue et c'est grâce à elle que tu m'entends aujourd'hui. C'est grâce à elle que tu me vois parler dans ce micro et tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais lui rendre un hommage ainsi qu'à tous les éléments qui m'ont permis d'arriver jusqu'où j'en suis. Bien évidemment, frérot, c'est pas une option, je vais te montrer mon setup actuel parce que vous allez voir, il est totalement fou et ça, c'est entièrement grâce à vous. Donc, comme tu l'as vu déjà, on est sur un modeste bureau. Regarde-moi cette stabilité en acier. En plus, tu l'entends cuiner et moi, j'arrive plus à parler. Alors, le siège, on est sur un cas assez particulier. En vrai, je vais pas te mytho, c'est le siège le moins cher que j'ai trouvé. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Après, juste ici, t'as mon clavier. Et bon, là, tu te dis peut-être que c'est un clavier éclaté et tout, mais regarde, j'allume la PS4 et tu vas voir le RGB. Donc là, tu vois, il y a quelque chose qui s'est affiché sur l'écran. Ça veut dire que la PS4 est en route. Ah, par contre, il n'y a plus de RGB. Ah bah non, les gars, on est en 2019. Moi, j'ai pas de RGB en 2019, les gars. Hein. D'ailleurs, frérot, j'ai été bien gentil au niveau éclairage. Hein, mais là, tu vois, si j'éteins mes deux lumières actuelles qui me permettent d'éclairer, ah bah oui, d'un coup, on est plus dans l'obscurité. Tu vois, là, il y a quasiment rien. Il y a juste cette petite lampe, frérot, de bureau qui venait m'éclairer les mains. Mais bon, pour les vrais de vrais qui me suivaient à cette période, vous savez très bien que je ne jouais pas clavier-souris. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui se demanderaient à quoi je jouais, c'est juste là, frérot, c'est Fortnite. Bon, on est de retour à la lumière, du coup, pour ouvrir le petit colis de la PS4. Tu vois, frérot, on a un petit casque. En fait, il est dans le même pack que le clavier ainsi que la souris. Comme quoi, avec de petites choses, on peut faire des grandes choses. Et là, tu m'entends avec une bonne qualité de micro. Mais frérot, à l'époque, je parlais avec ça, là, le petit truc que tu vois juste là. Je te mets un petit extrait en plus avec ma voix de il y a 4 ans. Donc là, tu vas te régaler, frérot. Donc voilà, je saute du bateau de bus et c'est parti. Donc moi, les gars, je vais vous laisser avec la vidéo. Et là, ça va encore. Tu vois, le casque, il est potable même s'il est tombé. Avant, je jouais avec ça, les gars. Oui, c'est le casque du CDI, c'est le même. Bref, du coup, le prochain objet, c'est la PlayStation Camera. Ça, franchement, c'est la première chose que je me suis acheté pour YouTube et grâce à YouTube. Bon, comme c'est écrit dessus, frérot, c'est une caméra. Je la mettais juste là au-dessus de mon écran. Et en fait, elle me permettait de filmer ce qu'il y a dans cette boîte, donc c'est-à-dire la petite manette DualShock. Ah non, mais je vous le dis, hein, on n'a pas commencé dans le luxe ici, hein, frérot. C'était la manette de base avec la PlayStation. J'avais une connexion éclatée. Donc, la qualité, je peux te dire que c'était de la 144p. Heureusement, il y a ce câble qui est venu me sauver. Bien sûr, c'est internet, la fibre optique. Là, frérot, j'ai commencé à faire des lives beaucoup plus réguliers et surtout en meilleure qualité. Bon, ça n'a pas été de toute simplicité. J'ai pas lancé et j'avais direct 100 000 viewers. J'ai passé à peu près 4 mois avec 3-4 viewers, mais je faisais des lives 3 heures tous les jours. Et je crois que c'était à peu près au mois de septembre. Là, frérot, j'ai pas compris ce qui s'est arrivé. Je pourrais pas vous l'expliquer. Il y avait de plus en plus de gens sur mes lives. Vous avez été trop nombreux à me soutenir. On est passé de 1000 à 20 000 abonnés en 2-3 mois, les gars. C'était exceptionnel. Donc, ce setup ne correspondait plus. Tu vois, là, on avait évolué. On peut enfin le mettre dans le passé. Bon, voilà le setup dont je voulais vous parler. Je te fais pas de schéma. Là, ça s'est quand même bien amélioré. On a un écran qui apparaît et pas n'importe lequel parce que c'est un écran 165 Hz. Donc là, il était vraiment super puissant pour Fortnite et tout. L'écran que j'avais sur mon petit setup PS4, je l'ai mis tout simplement en vertical. Comme ça, ça me permettait de lire le chat et de voir tous vos commentaires. Bon, et quand même, comment ne pas y penser? J'ai quand même changé ce petit siège par un modèle un petit peu plus adapté. J'ai quand même pas acheté un canapé, hein, frérot. C'était un siège Carrefour, frérot. Je te mets une photo là, tu. Oh, c'est nul. Et ce que j'ai utilisé pour transpercer l'atmosphère, ce n'est rien que la petite mousse qu'il y a sur le micro. Ce micro, d'ailleurs, j'y suis très attaché, c'est le Tonor Q9. Je l'ai utilisé jusqu'à très récemment et il a vraiment super bien fait son taf. Il coûte 70 €, comme quoi c'est pas forcément l'argent qui fait tout. Bon, par contre, on va pas se le cacher, on vit. Là, on a acheté un beau petit clavier rétro-éclairé, petit switch mécanique, tu connais. Je suis passé sur une bonne petite souris sans fil Logitech, un grand tapis de souris qui me régale, il est trop confortable. Et si j'ai remplacé la PlayStation Camera par une genre de caméra embarquée, c'est peut-être parce que j'utilisais plus la PlayStation tout simplement. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi alors il y a une PlayStation sur le bureau? D'ailleurs, parlons de bureau, on en profite, tu vois, on cale ça tranquille. On a juste rajouté une plaque sur le bureau. C'était qu'une illusion. Ça me fait un petit peu plus grand, mais c'est toujours pas ça. Et c'est surtout cette PS4 en réalité qui nous pose problème. Il y a quelques câbles ici qui peuvent t'orienter un petit peu, mais je pense que tu vas pas pouvoir le deviner. Le deuxième colis dont je voulais te parler, c'était mon PC. Et je parle au passé parce que je me suis fait cambrioler, du coup, je l'ai plus ce PC. Pendant une période, j'ai dû retourner sur
PS4 et là vous avez été très nombreux à me soutenir, d'ailleurs merci à vous. En plus honnêtement vous le saviez pas à cette époque, mais ce qu'on a construit ensemble c'est devenu incroyable. Non mais tu le verras dans la suite de la vidéo. J'avais ce setup, je me disais que j'étais super bien, mais j'étais même pas à 1% de réaliser ce que j'allais réussir à avoir après. Il y a aussi un élément du setup que j'ai oublié, c'est la petite lumière juste là qui s'est rajoutée. Dans cette étagère il y avait absolument que des livres. Le mur il est blanc, mais avant c'était des cartes Pokémon. Et d'ailleurs sur mon ancien setup il y avait écrit ça, il y avait écrit abonne-toi, fais pas le rat, tu ne le regretteras pas. Je suis mort. Et donc après j'ai racheté un PC. Et encore une fois je vais pas vous mentir, c'est grâce à la YouTube monnaie que tout ça a pu se réaliser. Wow, on dirait bien qu'on est arrivé sur mon dernier setup, le meilleur, l'actuel. Ok, c'est bon, j'ai compris les gars, je me calme, je remets la GoPro là où elle devrait être. Bon déjà on peut commencer par cette petite Porsche GT2 RS suivie d'une Mustang et d'une Porsche. C'est bien mieux que le vide qu'il y avait auparavant. Au-dessus tu l'as vu, il y a une petite Ford GT. Juste là il y a tous les cartons d'emballage des choses que j'ai acheté. Comme tu vois ça monte très très haut. Il y a les LED qui sont sur le mur, celles-là elles sont magnifiques. Oh comment parler de mon setup sans parler de cette BMW M2 et de la M3 qui est juste là sur un petit tableau divisé en 5 parties. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je le kiffe. Tous les matins je me réveille, je le vois, ça me régale. Ici on a notre petite key light, c'est une lumière que j'ai acheté. Elle tient sur un petit pied comme sur... ouais il est pas petit le pied mais vous avez capté. Ce qui est incroyable c'est que je peux la contrôler directement avec le Stream Deck. Donc c'est un petit gadget, on va pas se le cacher, c'est juste j'appuie sur un bouton, regarde, elle s'éteint, elle s'allume. Je peux augmenter l'intensité aussi comme ça. Attention, t'es prêt hein frérot, là je vais augmenter la luminosité. T'es prêt? 3, 2, 1. Hop, du coup je peux un peu tout contrôler avec le petit boîtier. Ici on a notre petite carte son. Parce que oui tu l'as vu frérot, au niveau du micro il y a quand même juste un câble. Mon micro c'est celui que tu vois sur la caméra, tu vois, c'est celui-ci frérot. C'est grâce à lui que tu m'entends depuis le début de cette vidéo. Mais là t'es en train de te dire mais pourquoi t'as un micro cravate juste ici THL? Tu nous as menti ou quoi là? Là tu utilises deux micros, mais pourquoi? Pourquoi THL tu utilises deux micros? Asseyons-nous les gars, parce que la raison va vous faire rigoler les gars. Vous êtes sûr de vouloir savoir la raison pourquoi j'ai un deuxième micro? Bah en fait les gars, cette vidéo je l'ai déjà tournée une première fois. Sauf que le micro sur l'appareil photo il fonctionnait pas. Donc j'ai dû tout remonter, tout redémonter, tout refaire pour vous régaler. Et du coup vu que j'ai décidé de le refaire, je me suis dit bah frérot, autant remettre le petit micro tu vois. Comme ça au moins je suis sûr qu'au moins il y en a un des deux qui marche et que je pourrais bien vous poster la vidéo. Bon maintenant j'en rigole, mais imaginez bien ma tête hier frérot quand je l'ai appris. Je vous laisse avec ça, c'est masterclass. Alors là, je m'étais trompé de connectique sur le micro. C'est le visage de la haine. Bref, assez rigolé. On a notre petit écran qui est juste ici. C'est le même que le setup d'avant. Juste que là, il y a une petite GT3 RS jaune. Celle-là, c'est ma voiture de rêve qui est dessus. Ici, on a une petite M4 sur l'écran vertical. Vous voyez, c'est que... Ouais, je crois la GoPro, elle me coupe là. Eh, reste à ta place. Bon, d'ailleurs, du coup, elle voulait qu'on parle d'elle. La GoPro juste ici qui m'a permis de filmer presque toutes les vidéos Car for Sale. Et si elle est tournée vers le bas, bien évidemment, c'est qu'elle filme mon clavier. Pour ceux qui voudraient savoir, c'est le SK61. Bon, la souris, tu connais, on change pas, hein, la Logitech, elle est toujours aussi bien. Pareil pour le tapis de souris, j'ai quand même gardé quelques éléments. Par contre, ça, c'est tout nouveau. C'est un petit assortiment de Porsche en majorette, je crois, et ça rend super bien. Le petit cactus, les gars, bon, vous connaissez, il est en plastique, hein, les gars. Moi, je suis pas jardinier. Et juste là, il y a un stylo, frérot, et là, t'es en train de te demander, mais pourquoi THL, t'as un stylo? Eh ben, faut pas oublier quand même que moi, je vais à l'école tous les jours, donc au moins, quand j'aurai les signatures à écrire, tu vois, lui, il sera prêt. Bien sûr, le casque, on est sur du classique HyperX Cloud 2, sauf que celui-là il est Bluetooth. Parce que oui, vous aurez pu croire que ce petit casque qui était mon précédent, il était aussi Bluetooth. Sauf que quand on y regarde de plus près, on voit qu'il y avait quand même une petite connectique. Et en fait, c'est juste le câble. Frérot, je l'ai tellement utilisé ce casque que le câble il s'est cassé. Et bien sûr, je vous ai pas parlé de mon PC, mais il est juste là. Par contre, avant de te le montrer, il faut quand même que je te montre ce que c'est ce petit reflet. C'est cette barre LED, frérot, qui est en train de l'éclairer. Bref, à l'intérieur, on a une RTX 3060. On a 32Go de RAM. On a également un ventilateur, frérot, qui est dans le mauvais sens. Il est RGB, mais on le voit pas. Et vous savez pourquoi? En gros, j'ai changé mes barrettes de RAM et ça rentrait pas. Du coup, ils ont dû l'inverser. J'ai un peu le seum, mais bon, c'est comme ça. Sinon, au niveau stockage, frérot, je peux stocker toute ta famille. J'ai 5 Tera. Vous vous doutez bien. Oh, pourquoi il y a le colis qui est arrivé, frère? Bon, ça, c'est le colis de début de vidéo. Ça, je reconnais ça. Par contre, attendez, j'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose. Regardez, il y a un truc caché juste là, là. Ah, là, on est mieux, frérot. Bon, tu le vois pas trop vu que le plan est un peu trop serré. Mais juste là, je viens de monter mon volant avec mon petit levier de vitesse, il y a mes pédales en dessous, il y a la nouvelle roue de Formule 1 que je me suis acheté récemment. Fallait quand même pas oublier les fondements de ma chaîne YouTube, tu vois, ce volant c'est vraiment le meilleur, c'est lui qui m'a fait connaître un petit peu, je pense que peut-être tu m'as connu grâce à ce volant, je sais pas en fait. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire depuis quand tu me connais, et si c'est sur cette vidéo, ben frérot tu peux t'abonner. Enfin, je sais pas vous, mais moi en tout cas je trouve que ce setup il est incroyable, et le message que je veux vous faire passer à travers lui, c'est que tout le monde peut réussir. Si j'ai réussi frérot à avoir tous ces décors, tous ces éléments de setup, toi
toi aussi tu peux y arriver. Tout est possible frérot, il faut juste pas lâcher. Et je tenais aussi beaucoup à vous remercier. Encore une fois, c'est la 20e de cette vidéo, mais c'est grâce à vous que j'ai pu m'acheter tout ça. Et aussi, je t'ai pas parlé du bureau, mais frérot, tu l'as bien vu, il a changé. Et regarde-moi ça frérot, on n'est pas sur n'importe quel bureau, c'est un bureau assis debout électrique. Encore une fois, c'est grâce à vous que j'ai pu avoir ce bureau, c'est grâce à un placement de produit. Ah oui les gars, je vous ai pas dit on vit hein. Mais bon après du coup, je vous ai pas parlé de ma caméra frérot qui est juste là. C'est le Sony ZV-E10 et il m'a coûté 900 €. Après la GoPro aussi, ça fait un petit billet. Et il y a aussi ce petit appareil photo qui m'aide à filmer. Donc dans la vidéo FAQ, je vous avais pas menti quand je vous disais que je dépensais une grande partie de ce que je gagne avec YouTube pour vous régaler. Parce que si je suis bien éclairé, c'est pas que grâce à la keylight qui est juste là, c'est aussi grâce au panneau LED qui est juste ici. Et là tu vois, je suis à 20% de l'intensité. T'es prêt ou pas? Ouais, en fait j'ai une petite appli sur mon tel frérot qui me permet de tout régler. Je vais augmenter à 100%, fais gaffe à tes yeux, ça risque d'exploser. Ouais. Oh, j'arrive plus à tenir. Bon, on est de retour dans le bleu pour mettre ton pouce bleu. Et il faut quand même qu'on ouvre ce petit colis, non? Parce que bon, on l'attend quand même depuis le début de la vidéo. Donc on est parti pour un petit unboxing. J'ai sorti les ciseaux de boucher. Le micro a enfin retrouvé sa place. Peut-être que je suis enfin sûr qu'il va marcher. Je vais vous montrer la surprise. Aucun d'entre vous ne l'a deviné. 3, 2, 1. Voilà en fait la vraie surprise de cette vidéo, frérot. C'est mon petit studio qui est derrière moi, les gars. Petite GT3 RS, petite 36, petit logo THC. Et le petit trophée frérot, il est là, il est magnifique. Je viens de le recevoir les gars, merci à vous, c'est incroyable. Non les... C'était une mise en scène. Je vous ai eu ou pas? Je vous ai eu ou pas? Eh les gars, vous y avez cru que c'était mon studio? Non. Là, il y a en fait sur mon écran, c'est un studio 3D. Parce qu'en réalité, frérot, derrière moi, c'est un big fond vert, les gars. En fait, dans la chambre où je suis, le décor derrière moi, il est vraiment atroce. Donc ce fond vert, pour moi, c'était vraiment la solution. Et j'espère d'ailleurs que vous kiffez, que vous trouvez ça très stylé. Moi, je trouve qu'en vrai, je suis plutôt bien incrusté. D'ailleurs, petit siège. En plus, tu l'as remarqué, le casque, il est assorti au siège. Ça rend parfait. Le seul truc, frérot, c'est qu'il faut pas reculer. Wesh. Le fond vert, frérot, il allait tomber. Ah, je me suis fait décapiter. Non, ok, j'ai compris les gars, j'arrête ces blagues sur le fond vert, j'ai compris. Je le replie et là, il se remet directement dans son petit emballage. Et au moins, tu peux voir un petit peu le carnage, tu vois un petit peu le bordel qu'il y a partout. Pour reparler du trophée, il va très prochainement arriver. Je vous fais une petite vidéo dès que je l'ai. Ne vous inquiétez pas, l'IRL sur la chaîne arrive très vite. Mais pour ça, il va falloir liker, surtout s'abonner pour suivre tout ça. Ce serait vraiment dommage de tout rater. Et les frères, on écrit PC en commentaire, comme ça je vois qui est dans l'élite. Bonne journée à tous.